Et salut à tous, et donc aujourd'hui je vous présente un magnifique sceptre d'améthyste de Gobobo Seb, donc en Namibie, sans doute les plus belles améthystes du monde. Donc on a un très très beau sceptre, avec une couleur vraiment très prononcée, c'est violent comme couleur. Une améthyste qui tire sur le bleu un peu. C'est très très beau. C'est vraiment vraiment pas commun d'avoir une couleur si violente hein, sur de l'améthyste. Alors on voit, on a quelques inclusions fluides dedans. Hein. Donc je zoomerai tout à l'heure pour vous les montrer. Des toutes petites bulles qui bougent, ça c'est classique sur ces gisements-là. Et donc on a la sceptration, c'est ce qui est intéressant aussi. Donc on le voit là, très bien. Donc là, le cristal s'élargit à ce niveau-là. C'est ce qu'on appelle un sceptre. Là, il y a vraiment une qualité, une couleur incroyable pour l'améthyste développée comme ça. Cette couleur-là, on l'a généralement sur les cristaux brésiliens, sur les cristaux français de Pégu, Vernet-la-Varenne, mais des cristaux de cette couleur-là, ils sont très rarement développés. Là, on a un cristal qui est long. C'est vraiment très très bien. Donc ça, c'est un spécimen qui a été récupéré dans une collection privée à Jérusalem, en Israël. Sur le marché, c'est très compliqué à avoir. Des cristaux de cette qualité-là. Il n'y a pas dû en avoir énormément de sorties. Alors je vais vous zoomer sur les petites inclusions fluides maintenant. Et voilà, donc on a des petites bulles qui bougent dans les inclusions. On la voit très bien, la petite bulle bouger là. Donc comment on incline le cristal. Et voilà. Ces inclusions fluides, elles sont classiques hein, sur Gobobo Seb. C'est toujours rigolo à voir ces petites choses. Hop.